Bonjour mes amis. Aujourd'hui, on va travailler sur ce maquette que vous voyez ici là. On va faire en sorte de réaliser ça. Alors, premièrement, c'est que dans votre vie actuelle, vous entendez parler directement de digital, digital, digital. Prendre soin d'une image, image de quelque chose, le rendre si beau, si fier. Ça devient l'un des piliers en ce moment de la marketing, qui ça se trouve, la publicité, tout va avec. Alors, aujourd'hui, on va essayer de faire ceci. Mais comment on va directement procéder? C'est simple. On va créer un nouveau projet. Ici, nouveau. Alors, je veux laisser tout simplement comme ça là, bon, le même manière quoi. 297 et ici là 210. Je le mets directement en centimètres pour en avoir énormément d'espace. Alors, notre projet est là. Au moment que on a ouvert ceci, on va venir ici et aller directement importer. Dès que on passe à importer, on va aller voir voilà, Photoshop, Arani. Et là, on va choisir parmi les deux oranges. Par exemple, on prend celui-ci. Dès que celui-là est tombé ici, on va directement le décaler jusqu'à là. Un petit peu, bon, on le remonte un petit peu comme ça. Voilà, je crois que ça fait du bien. Voilà, on le laisse là. Après, on va faire la même chose. C'est-à-dire, tout ce que je vais travailler, c'est déjà travaillé à moitié. Là, tout le monde sait très bien qu'on a bossé sur ce genre de projet. C'est-à-dire, on a enlevé tout ce qui va avec et on a laissé une certaine chose. Alors, dès qu'il est totalement blanc et nous, on est dans le mode blanc, et là, ça peut dire nous faire plaisir. Alors là, on va ajouter le paille, c'est bon. Ok, le paille est ajouté. Alors, oui, le paille est ajouté. Après ça, on va revenir encore importer. Et cette fois-ci, on va importer ceci. Et là, on va le déplacer vers ici. On peut grandir un petit peu si on a envie, bien sûr. Voilà. On va le laisser comme ça. Après avoir fait ce fameuse chose, on retourne ici. On va importer notre dernière puzzle. C'est le Rani, toutes les modalités de Rani. Et là, on va grandir si doucement. Voilà. Alors, je crois que là, ça commence à faire du bien, n'est-ce pas? Voilà, après avoir fait ça, qu'est-ce qu'il nous reste? On doit directement venir jusqu'à ici, arrière-plan là. On va cliquer arrière-plan, mais on retourne directement sur ce bouton qui est là. On va cliquer pour aller couleur unique. Dès qu'on a validé couleur unique, il prend la couleur par défaut qui ça se trouve ici. Mais ce n'est pas celui-là qu'on a besoin. Nous, on a besoin le même couleur que ça se trouve ici, là où on a écrit Rani. Le Rani là, c'est en blanc.
Mais si vous regardez ici, il y en a d'autres couleurs. On va cliquer directement là et boum, là c'est entré bel et bien. Alors là, les choses se passent à la merveille, n'est-ce pas? Vous venez directement ici pour écrire ce qu'on a écrit, c'est quoi exactement? Avec un vrai goût de fruits. Voilà, c'est ça. Alors nous retournons ici. On va se positionner là et on va directement faire la même chose. Si vous voyez ici, vous pouvez voir directement que c'est en noir, alors que nous on n'a pas besoin du noir. Du coup, vous venez juste ici là-haut, vous cliquez là et vous venez directement prendre le blanc. J'en ai besoin du blanc. Je vais le sélectionner directement et là le tour est joué. Et dès que je suis de retour ici, je peux écrire un vrai goût de fruits. Voilà. Alors, je crois que c'est fait. Je veux valider ici. Alors, au moment que j'ai déjà cliquer là, je veux le déplacer un petit peu comme ça pour que les choses prennent leur allure. Voilà, je crois que c'est la même, hein, ou bien voilà, il nous reste seulement le rouge qui est ici. Comment on peut ajouter quelque chose ici là? Ça, c'est qu'on va directement y travailler. Nous retournons ici à T, mais cette fois-ci on va sélectionner tout simplement celle qui est en rouge, c'est-à-dire le fruit. Et nous retournons directement à la couleur et on va balancer le fameux rouge. Fameux rouge. Mais bon, on n'a pas obligé d'ajouter un rouge. Bien. Alors, si vous voyez très bien là, si je clique ici, vous voyez directement que le design est parfaitement fait avec l'intention et tout l'amour du ciel. Alors c'est ça ce qu'on a réalisé aujourd'hui, et c'est celui-là selon laquelle c'est la même manière que vous allez travailler sur les différentes maquettes. Et en ce moment, la personne qui regarde ce tuto, si il n'a pas compris comment on fait directement les autres travaux, là, il doit regarder le tuto antérieur pour voir directement la manière dont on enlève tous les trucs qui est derrière et on prend celle qui est nécessaire, par exemple les photos d'une personne, etc. et tout ça. Du coup, ça va vous permettre directement de suivre ce tuto sans problème. En plus de cela, je tenais à ajouter aussi que ça ne me fera pas du mal si vous êtes abonné à la chaîne. Alors, j'espère que chaque personne qui me regarde aujourd'hui, il pouvait faire directement tout ce qui va avec les publicités. Alors, je vous assure, si vous avez bien compris, alors regardez un endroit à postuler et allez directement toucher leurs fruits. Il y en a des magasins, il y en a beaucoup de gens selon lesquels ils voulaient directement faire du marketing de leurs produits qu'ils vendent avec une promotion, etc. et tout ça. Et c'est une personne comme moi, comme vous, que vous me regardez, qu'on va directement réaliser ce genre de projet. Alors j'espère que vous êtes prêts. Et à très bientôt. Alors, je vous aime beaucoup. Abonnez-vous sur la chaîne, je vous en prie.